Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission À la découverte 2. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Ajaccio pour découvrir la web télé Milo TV. Alors, Mélanie, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes... Je suis chargée de projet à l'Association régionale des missions locales de Corse. Et donc, je travaille sur le projet Milo TV. Alors justement, parlez-nous un peu de cette web télé. Alors, la Milo TV, c'est une web TV qui a été complètement mise en place par les jeunes des missions locales de Corse. C'est-à-dire que c'est eux qui ont trouvé le nom Milo TV, c'est eux qui ont créé le site internet, c'est eux qui sont à l'initiative de tous les reportages que vous allez pouvoir retrouver sur le site www.milotvcorse.com. On a voulu en fait permettre aux jeunes de prendre la parole, de donner leur avis sur les choses qui les intéressent, parce que c'est vrai que finalement, on ne leur demande pas souvent ce qui les intéresse et quelles sont leurs opinions sur les choses. Donc du coup, voilà, l'objectif, c'était de dire on vous donne la parole par le biais d'une web TV, par le biais de reportages, et du coup, c'est eux qui ont tout fait de A à Z. Et alors justement, donc pourquoi la web télé, pourquoi pas autre chose? Alors, donc comme on disait, on a voulu favoriser la parole des jeunes. Donc c'est vrai qu'il fallait un média, c'est bien, parce que ça permet de s'exprimer. Il y avait aussi tout ce qui est compétences numériques, qui aujourd'hui, c'est des choses qui sont importantes, c'est dans l'air du temps. Les jeunes des missions locales, c'est des jeunes donc, qui sont en insertion sociale et professionnelle, qui sont suivis, accompagnés par les missions locales dans leur parcours d'insertion. Donc du coup, leur donner des clés sur des compétences numériques, ça nous a paru aussi important parce que ça peut faire la différence sur un CV. Et puis, ils sont dans ce monde-là, donc forcément, il y a un attrait, ils connaissent. Donc du coup, il y avait aussi ça. Et pour nous, c'est surtout une nouvelle technique d'accompagnement, justement, de ces jeunes. Parce que il y a la web TV, il y a les reportages, c'est ludique, c'est sympa. Mais derrière tout ça, il y a aussi, pour un jeune, je fais partie d'un projet, je suis intégrée dans une équipe, je suis fière de ce que je fais, je montre ce que je fais, je suis capable de faire des choses. Voilà, il y a tout un travail comme ça qui est fait, derrière la web TV. Il n'y a pas que le reportage qu'on voit et que les techniques audiovisuelles qu'ils vont acquérir. Il y a aussi tout le travail, même au niveau social. Quand on recherche un emploi, on est un peu isolé. Donc là, ça permet de rencontrer d'autres personnes. Ça permet aussi d'aller faire des reportages sur des choses qu'on ne connaît pas, de rencontrer de nouvelles personnes, de se faire un réseau. Enfin voilà, c'est multiple, quoi, je dirais. Donc voilà pourquoi on leur a permis de créer cette web TV. Alors Mélanie, donc ça fait à peu près 10 mois que la web télé a été créée. Oui. Est-ce que vous avez déjà un bilan par rapport à ces 10 mois déjà passés? Oui, on est très contents. Le bilan est positif. Les jeunes sont contents, ils se sont vraiment appropriés le média, je dirais. Et donc c'est vrai qu'on a commencé, c'était un peu difficile parce qu'on était en train de présenter un projet qui n'existait pas.
de dire participez à une Web TV, mais on n'a rien à vous montrer, c'est vous qui allez tout créer. Donc c'était quand même difficile à appréhender. Et puis au fur et à mesure, ils s'y sont intéressés et donc ils ont tout construit. Donc le point d'orgue, je dirais, ça a été, on a fait un lancement officiel le 12 février dernier au Palais des Congrès d'Ajaccio. Donc on a pu lancer officiellement le site internet et permettre aux gens de visionner les reportages qui avaient été faits au fil des mois, je dirais. Donc tout le travail qui avait été fait, parce que du coup, monter une Web TV, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc il y avait ces 10 mois de travail, justement. Donc on a fait un gros lancement au mois de février. Et là, pour reprendre, on leur a permis d'être en immersion pendant une semaine sur un workshop éditorial, afin qu'ils puissent réfléchir vraiment, du coup, à la ligne éditoriale de la Web TV, comme des vrais professionnels, hein, du coup, qui est un gros comité de rédaction, je dirais. Donc ils ont été encadrés. Et là, les tournages ont repris à la mission locale d'Ajaccio. En fait, on va tourner de mission locale en mission locale, puisqu'il y a une équipe de tournage dans chaque mission locale. Tous les jeunes, bien sûr, peuvent venir y participer. Il n'y a pas de souci. Il faut se renseigner auprès de la mission locale. Et du coup, on fait une semaine à Ajaccio, une semaine à Bastia, une semaine à Porto Vecchio, une semaine sur la mission locale rurale, donc c'est la plaine orientale, Corté et la Balagne. Et on tourne comme ça. Et chaque équipe fait son reportage. Et après, il y a un pôle communication qui se charge de la mise en ligne sur le site internet, de la rédaction du petit article, de la promotion sur les réseaux sociaux, des opérations de communication, tout ça. Donc c'est vraiment, on est sur tout le territoire. Du coup, tous les jeunes peuvent participer à Milo TV. Voilà. Merci, Mélanie. De rien, merci à vous. Je vous rappelle que si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez nous contacter via notre page Facebook Basterga Productions. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine émission. We'll be right back.